Comme 8 millions de Français, depuis ce lundi 16 mars et la déclaration du président de la République, je travaille de mon domicile. Les journalistes de Terre de Vin, les communicants, les commerciaux, tous en font de même. Notre objectif commun est clair, maintenir ce lien qui nous relie à vous pour parler de cette filière du vin et de son économie. Si nous sommes très fortement impactés, nous aussi, il est nécessaire évidemment de rappeler que nous luttons pour la survie de nos activités. Le magazine, tout d'abord. Nous venons, ce jour même, de boucler un formidable hors-série consacré à l'œnotourisme qui sortira le 8 avril prochain. Il sera livré chez les diffuseurs de presse. Il sera distribué, évidemment, à nos abonnés. Des centaines d'adresses vérifiées et qualifiées vous y seront proposées, ainsi que 40 circuits exclusifs. Et nous y dévoilerons les 28 lauréats, dont les 9 grands prix de nos trophées de l'œnotourisme. Le digital, ensuite, avec terredevin.com, qui nous relie à l'instant. Vous êtes entre 5 000 et 10 000 chaque jour à vous connecter, à nous suivre et sans relâche, malgré les contraintes sanitaires que nous respecterons à la lettre, nous allons continuer à assurer notre travail, vous informer. L'événementiel enfin, vous savez que nous produisons avec Terre de Vin une trentaine d'événements en France chaque année. Évidemment, les événements programmés en mars et en avril ont dû être reportés. J'ai bien dit reportés. Nous nous bagarrons chaque jour avec nos équipes pour reprogrammer un lieu, une date, un format. C'est dans cet esprit que Champagne Testing aura lieu le 30 mai prochain à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris. Cavis Dating, qui était prévu le 25 mars, aura lieu également avant l'été et il en sera de même de tous ces événements de mai que l'actualité pourrait encore bousculer. Vous l'avez compris, nous pensons déjà à Terre de Vin, à l'après-crise. Et nous tenons à remercier nos lecteurs, nos abonnés, nos internautes, nos annonceurs, nos partenaires pour la confiance que tous vous nous accordez. Nos outils, magazines, digital, événementiel, vous seront utiles quand les nuages se seront dissipés et quand l'économie reprendra ses droits. Nous ne vous oublions pas, ne nous oubliez pas. Abonnez-vous, lisez-nous. Revenez à l'essentiel et prenez soin de vous.